Maillot, écharpe, sac, mug, les commandes se suivent et ne se ressemblent pas. Avec la victoire de samedi, les produits dérivés du Racing Club de Strasbourg se vendent comme des petits pains. Ce matin, à la boutique officielle du stade de la Méno, les irréductibles refont leur stock. C'est le cas d'Alexandre. Ce fidèle abonné était présent dès l'ouverture. C'est très important pour montrer qu'on est attaché à ce club et qu'on voit d'année en année qu'ils grandissent. Bah, je vais prendre encore le maillot collector de la Coupe de la Ligue en souvenir et le faire signer par tous les joueurs du Racing et tout le staff du Racing. La courbe des ventes avait déjà amorcé une hausse avant la finale de la Coupe de la Ligue, mais après la victoire et avec la Coupe désormais à la Méno, le club entend bien rester sur cette dynamique. Il y a eu une belle affluence en boutique pour pouvoir s'équiper aux couleurs du Racing pour assister à cette rencontre. Et puis évidemment, avec la victoire et le titre, on va également créer une petite ligne dédiée à la victoire qui sera disponible très prochainement. Donc on va leur proposer des produits qui leur permettent de garder un souvenir de cette manifestation, de cette victoire, et pour pouvoir dire « j'y étais et je l'ai vécu ». 14h cet après-midi, la seconde boutique du Racing située au centre-ville ouvre ses portes et accueille ses premiers clients très impatients. Sur ses portants de nouveaux slogans et des t-shirts tout juste déballés, une aubaine pour Romain, il n'a pas pu aller à Lille mais il tient à agrandir sa collection et y ajouter une nouveauté. Le but, se souvenir du moment. Forcément cette victoire elle fait toujours plaisir, ça peut donner encore une plus grande grandeur à l'équipe sachant d'où elle vient. Et ouais, aujourd'hui je suis venu pour regarder les nouveautés par rapport à tout ce qui est, que ce soit des t-shirts ou des trucs comme ça par rapport à la victoire, parce que ça fait toujours un souvenir et c'est toujours bien d'en avoir. Nathalie et Joël, par contre, étaient à Lille ce week-end. Toutes les deux viennent chercher de quoi faire des cadeaux. Une victoire qui donne donc des idées. Nous, on revient de Lille, on était à Lille. Donc voilà, franchement, les gamins sont contents. On était avec les enfants, en famille, avec des amis. Et tout le monde était content qu'ils aient gagné, quoi. J'ai vu qu'ils ont sorti le nouveau t-shirt, donc voilà, je me suis dit, tiens, en même temps, ça permettra de le regarder aussi, quoi. Voilà, c'est chouette. Ça laisse en souvenir une trace aussi de qu'ils ont gagné, quoi. Ça m'a encouragée pour un cadeau Racing. J'ai pris une casquette, un bonnet, voilà, ça lui fera plaisir. On va au match mercredi. Et pour étrenner ces nouvelles panoplies, il n'y aura pas longtemps à attendre. Mercredi, le Racing Club de Strasbourg sera de retour sur la pelouse de la Méno. Il y affrontera l'équipe de football de Reims.